Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo parce qu'aujourd'hui je te présente le nouveau pack de chez Nike qui est juste incroyable. J'ai de la Vapor, j'ai de la Phantom GX, j'ai même de la Tempo. Je te présente ça. C'est parti. On commence du coup avec la Mercurial. Moi personnellement au bureau là j'ai la Vapor. Bien évidemment on a la Superfly et elle existe aussi en vissé et en moulé. Là j'ai la moulée pour que vous voyez vraiment les détails de la semelle. C'est un modèle que je trouve plutôt sympa. Au niveau des couleurs c'est très original. Le swoosh, moi ce que je trouve dommage à chaque fois c'est qu'il pousse le délire mais il le pousse peut-être pas assez long. J'aurais kiffé que le gros swoosh soit de la même couleur que le violet avec ce délire de peinture en fait. Il y a des petits points noirs en fait, ce côté un peu zébra. Ça aurait été grave sympa qu'il y ait ce swoosh bien violet avec ses points zébra. Et je vous dis ça pas pour n'importe quelle raison, parce qu'ils l'ont fait, mais pas sur la Vapor. Ils l'ont fait sur une autre paire que tu vas voir juste après dans la vidéo. Donc voilà à quoi ressemble la Vapor, un modèle que j'apprécie énormément. En plus de ça, faut dire ce qui est, le shoe bag, il est extraordinaire, il est super beau. Et vous voyez ce délire de petits points de taches comme si on avait secoué un pinceau. Et ben c'est ça que j'aurais kiffé sur la chaussure. Imaginez la paire là sur toute la tige bleue avec des coups de pinceau violet. Ça aurait été extraordinaire, ça aurait été incroyable. Donc après au niveau des technologies pardon, ça bouge pas. La Mercurial c'est toujours la même chose. Le ACC bien évidemment, le Hold Condition Control, le Vaporposite Plus qui est sur l'intégralité de la tige pour avoir un toucher de balle exceptionnel. On a du Flyknit sur toute la tige qui te contourne la cheville plus toute la tige de bas en haut. Et bien évidemment sans oublier la technologie du Air Zoom. Le Air Zoom avec cette petite mousse qui permet d'avoir un confort supplémentaire sur l'avant du pied. Franchement, c'est un super modèle. Moi, j'aurais kiffé que Nike pousse la créativité un peu plus loin parce que je pense que ça aurait vraiment pu être un banger. Surtout que c'est des packs où on peut se permettre d'envoyer un peu plus parce que forcément, les packs les plus importants, le pack qui est sorti pour cet été, la blanche et rouge, ça, c'est un modèle classique. Donc, il vaut mieux partir sur quelque chose de plutôt classique pour la rentrée pour pouvoir satisfaire un grand nombre. Du coup, tu peux te permettre d'être un peu plus créatif. Mais dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que c'est une paire où sur le terrain, on va te voir. On va pas te louper. Donc, tu as intérêt d'être bon. Voilà. Et j'en reviens au sac qui est juste extraordinaire. Franchement le sac, magnifique. Donc voilà qui en est pour la Vapor. Et on enchaîne directement avec la Phantom GX. En ce qui concerne la Phantom GX, toute particulière, parce que je pense pareil au niveau de la créativité, au niveau de la couleur, peut-être pas ça que j'aurais joué, mais bref, vous allez voir par vous-même. Voilà à quoi ressemble la nouvelle Phantom GX. Elle existe bien évidemment en montante et en basse. Là, au bureau, j'ai une basse, mais les deux sont disponibles et en vissé et en moulé, totalement. Comme vous pouvez le voir, une tige principale, donc bleue, c'est exactement le même bleu fuchsia, bleu turquoise, pardon. Et ensuite, la tige qui recouvre, donc c'est le Nike Grip Knit qui est sur l'intégralité de l'avant du pied, un petit peu l'intérieur et l'extérieur, c'est en blanc. Et c'est peut-être là où Nike est resté un peu sur ses réserves. Quand on sait que c'est un super produit, ben, tu vois, Nike aurait pu pousser un peu plus le truc. Je trouve ça dommage parce que c'est un super produit, hein. Très très beau le modèle. Mais voilà, moi personnellement, j'aurais envoyé tout le Grip Knit en violet, le swoosh en bleu, avec des coups de pinceau. J'aurais fait une dinguerie, une dinguerie de ouf. Et ce qui est fort, c'est la semelle. Elle est très sympa, full black, avec ses petits points de couleur blanc et les crampons ou avec cette plaque de semelle, moi qui me fait clairement penser à une plaque d'hypervenom. Donc forcément, ça reste un point super fort. Et le shoe bag, très sympa aussi, ressemble à ça. Franchement, le shoe bag aussi, c'est une réussite. Hein. De toute façon, chez Nike, faut dire ce qu'il y a, les shoe bags, c'est toujours quelque chose de très propre, toujours quelque chose de réussi. Félicitations Nike, vous avez bien travaillé sur les shoe bags, mais vous n'êtes pas allé assez loin dans la créativité au niveau du crampon. Parce que moi, je pense vraiment qu'il y a vraiment une marge de progression de ouf au niveau des coloris. Il y a la possibilité d'aller très très loin dans la créativité des crampons. Et d'être encore plus sympa sur le terrain. Je sais pas si je vous l'ai dit, je ne me souviens plus, donc je le répète quand même. Le nom du pack, c'est le Peak Ragey Pack. Donc, prêt au pic. C'est vraiment genre le point culminant. Peak of the mountain. Puis le point culminant de la montagne. Si je te dis pas de bêtises, normalement, LVD anglais. Mais voilà, c'est ça le principe. Tu mets une paire pour être prêt à être le meilleur de ton équipe, le meilleur dans le foot. C'est la mentalité Nike. Toujours être le meilleur. C'est l'American Dream. Donc voilà, la Phantom GX. Voilà la Mercurial et on enchaîne avec ma préf, la Tempo. Au niveau de la Tempo, les soldats, voilà à quoi elle ressemble. À chaque fois que je la vois, elle me fait de l'effet. Extraordinaire. Je la trouve super belle. C'est super parce que pour le coup, Tempo, c'était vraiment la paire où Nike gardait beaucoup de réserves, ne se permettait pas d'aller trop loin. Le shoe bag plutôt simple, blanc avec les petits délires de taches. Voilà, simple et efficace avec le logo Tempo sur l'arrière. Très très joli modèle de shoe bag, ça c'est top, ça aussi c'est un point super fort de la part de Nike de toujours proposer des shoe bags en adéquation avec la paire de crampons qu'ils vendent. Bien évidemment il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, le shoe bag est disponible seulement sur les modèles haut de gamme chez Nike. Donc si tu prends une gamme pro
ou une gamme P3, tu n'auras pas de shoebag. Tu auras ton shoebagfoot.fr, ça c'est sûr, mais tu n'auras pas de shoebag comme ça, les Tchempos, ceux que je te présente. Donc, on revient à la Tchempo. Nouveau cuir Fly Touch Plus qui n'est plus animalier. Ça aussi, ça c'est un point super fort et qu'on apprécie forcément. Si on peut éviter de tuer des animaux pour faire des chaussures, ben c'est encore mieux. Ensuite, voilà, c'est ça que je vous disais. Vous voyez le swoosh, comment il est ? Violet, fond noir avec des coups de peinture violet. C'est ça que j'aurais kiffé voir. Soit un full violet, soit un contour violet avec des taches violettes dans le swoosh. Ça aurait été trop sympa. Vraiment un délire un peu comme on a pu le vivre avec, à l'époque avec la Safari. Safari de CR7, c'était un super modèle. Moi, c'est ce qui me plaît sur cette Tchempo. L'étiquette aussi donne tout son sens. Moi, je la trouve hyper stylée, cette étiquette. En plus, elle ressort bien, bien noire. Elle ressort comme il faut. La petite inscription de Tchempo. Au niveau du cuir, comme je vous ai dit, le Fly Touch Plus, un cuir hyper agréable qui ne se détend pas trop malgré le fait que ce soit hyper confortable. Ça demande pas énormément d'entretien, contrairement aux anciennes paires de cuir. Toujours la technologie ACC, All Condition Control, qui te permet de jouer sous tout type de terrain et de temps, de météorologie qui t'entoure. Donc ça aussi, c'est un point positif. Et la semelle que je trouve hyper jolie. Bon là, pareil, c'est une semelle très classique, très blanc. Avec ce qui est fort, c'est les points noirs, en fait. Vraiment, les petites taches de points noirs. Ça, c'est un délire que j'aime beaucoup, qu'ils ont vraiment fait un peu sur toutes les paires, mais qu'ils auraient dû pousser un peu plus. Donc vraiment, en conclusion sur ce pack, c'est un super pack où ils auraient pu vraiment envoyer vraiment plus du pâté, tu vois. Je vais appeler Nike et je vais leur dire la prochaine fois, envoyez un peu plus de pâté pour nos soldats, parce que je sais que vous pouvez faire vraiment mieux, même si le pack est quand même très très sympa. N'hésitez pas, vous, mes soldats, à me dire en commentaire laquelle vous préférez le plus entre les trois que je vous ai présentés. Bien évidemment, il y a aussi la Luna. Elle s'affiche à l'écran. Voilà, c'est ça la Luna. Elle est disponible aussi directement sur notre site internet et dans nos 4 boutiques. Donc voilà, mon soldat, c'était toutes les informations concernant le pack. Le Peak Ragey Pack, très très sympa. Moi, je kiffe le modèle. Si vous kiffez le modèle et que vous avez besoin d'une paire de crampons, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Mercurial, en Vapor et en Superfly, Tchempo, Phantom GX, Montant Dynamic Fit ou en basse. Et voilà, tout simplement. Et la Luna aussi, qui existe qu'en montante. Tout simplement, mes soldats. Donc faites-vous plaisir, ça se passe directement dans nos 4 boutiques. Marseille, Avignon, Lyon, Noyelles-Godault, la zone commercial de Noyelles Godot et sur www.foot.fr. C'était votre soldat Théo à votre service. On se dit à la prochaine. Bisous.